dire merci au président Soro pour tout ce qu'il fait pour nous. Et en cette nouvelle année, profiter pour lui dire vraiment nos meilleurs voeux. On compte sur lui en tant que président, que là où il est, Dieu même le touche, pour qu'il puisse rentrer dans son pays, sain et sauf, en cette nouvelle année. Pour commencer, j'ai dit merci au président et que nous sommes là pour lui, qu'on l'attend. On veut qu'il revienne en Côte d'Ivoire. On est toujours avec lui, nuit et jour. On prie pour lui, pour qu'il revienne. Et je profite de l'occasion pour lui dire meilleurs vœux. Tout ce qui est bon pour lui, la santé, prospérité, et que nous l'attendons. Mes impressions sont des impressions de joie, de satisfaction. Et surtout, nous voulons que le président nous revienne, qu'il nous revienne, pour qu'on puisse continuer le travail avec lui. Que cette année 2022 soit l'année de fin d'exil. Nous le soutenons et nous voulons qu'avec lui, nous puissions encore booster cette lutte. Voilà, jusqu'à ce qu'il puisse accéder à la magistrature suprême. Déclaration de présentation de vœux de nouvel an du CNDS au président Guillaume Kibafouri Soro. Camarades militants et militantes du Congrès national des Soroïstes, nous voilà au terme de l'année 2021 et par la même occasion, au début d'une nouvelle année, l'an 2022. Au moment où nous débutons cette nouvelle année, je voudrais par devoir, au nom du président Hugues Lago, présenter à chacun et à chacune d'entre vous les traditionnels vœux du nouvel an du CNDS. Que cette année nouvelle vous apporte la santé, le bonheur et qu'elle soit une année d'accomplissement de tous vos projets. Comme vous le savez tous, l'année 2021, de manière générale, ne fut pas une année sabbatique pour nous et le CNDS. Bien au contraire, elle fut une année pleine avec de nombreuses activités, aussi bien à Abidjan que sur le reste de l'étendue du territoire national. Des activités qui ont eu principalement pour objectif, d'une part, de promouvoir le CNDS, de garder allumée la flamme de la mobilisation des militants et d'autre part, d'accroître l'amour et la sympathie de notre référent politique. Le président de Génération et Peuple Solidaire, Son Excellence Monsieur Guillaume Kibafouri Soro, dans le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes, et ce, à travers de nombreuses actions sociales. A contrario, au plan sociopolitique national, l'année 2021 reste une année éprouvante pour le CNDS, en particulier et pour tous les militants de GPS en général. En effet, en 2021, le CNDS a été éprouvé par l'incarcération arbitraire et illégale de son président et de deux autres de ses cadres dans les geôles du pouvoir d'Abidjan pendant plus de 5 mois. En 2021, également, le président Guillaume Soro n'a pas pu regagner son pays. Il continue d'être contraint à un exil injuste et injustifié. C'est ici le lieu pour le CNDS de présenter au président Guillaume Kibafouri Soro ses vœux de santé, de bonheur et de longévité. Excellence, Monsieur le Président Guillaume Soro, à l'image de tous les militants et sympathisants de GPS, ceux du CNDS nourrissent un seul et même vœu. Vous voir regagner votre pays natal, la Côte d'Ivoire, la terre de vos ancêtres. Nous souhaitons que cette année 2022 soit l'année de votre retour définitif en Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur majeur de la vie politique nationale, votre place est ici, aux côtés des Ivoiriens et des Ivoiriennes, qui croient et espèrent en vous pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et le CNDS voudrait vous réitérer tout son soutien et sa disponibilité à travailler à y parvenir. Nous vous réaffirmons notre engagement et notre loyauté sans faille pour les batailles futures. Nous le savons, vous portez l'espérance
des générations présentes et surtout celles à venir. Et toute cette hostilité gratuite des tenants du pouvoir est bien la preuve que vous dérangez. Ils se forcent à vous tenir loin des populations pour continuer à maintenir ces dernières dans les mensonges grossiers et les manipulations. Ils savent que votre vision est révolutionnaire et qu'elle est porteuse d'un changement véritable, tandis que persiste dans le dilatoire et la forfaiture. En conséquence, les populations ont pris fait et cause pour vous. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple Solidaire, dans ces épreuves que nous vous savons capables de surmonter tôt ou tard, nous sommes avec vous, regardant dans la même direction, les yeux rivés indétrônablement sur l'objectif principal. Votre accession à la magistrature suprême. Encore bonne et heureuse année 2022 à vous, Excellence, Monsieur le Président de GPS. Je vous remercie.